Nous notons avec beaucoup de satisfaction cette performance de nos joueurs, cette performance qui nous a vraiment surpris et qui nous a permis de comprendre que nos joueurs se sont dépassés, se sont donnés à fond pour obtenir cet important résultat qui amène aujourd'hui la Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN. C'est le lieu pour nous de lancer un appel à la population ivoirienne, aux supporters des éléphants, pour que la question de la mobilisation soit totale autour de notre équipe nationale. Il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire en sorte que cette CAN qui a été organisée avec la volonté du président de la République et du gouvernement, cette CAN qui commence aujourd'hui à faire que le monde entier a un regard positif sur notre pays, que cette CAN-là connaisse un aboutissement heureux avec la victoire des éléphants. L'image de marque que notre pays tire de cette compétition est incalculable. C'est pour cela que nous resterons mobilisés et nous lançons un appel à nos éléphants, à nos joueurs, pour qu'ils comprennent aujourd'hui l'engagement de la population ivoirienne qui a son image en jeu, pour que nos joueurs comprennent qu'aujourd'hui, au-delà du football qu'ils sont en train de fournir, c'est le pays qui est engagé, c'est l'Afrique qui est engagée et qui doit tout mettre en œuvre pour qu'au soir du 11 février, la Coupe d'Afrique des Nations du football reviennent en Côte d'Ivoire pour la troisième fois.